Eh bien, salut tout le monde, ici Azarath, on se retrouve pour un petit épisode 2, mais qui sera un peu plus pauvre en gameplay. C'est juste pour vous dire que pour la suite, je pense que je vais faire mes vidéos sur un serveur avec d'autres personnes. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, alors ça devait se faire fin du mois dernier. Mais comme bon, on va dire que j'avais un peu arrêté entre temps. Comme j'avais un peu arrêté entre temps, ça ne s'est pas fait, mais là j'ai reparlé avec certaines personnes du serveur. Et normalement, je pense que je vais pouvoir faire mes vidéos sur leur serveur par la suite avec eux. Donc, putain, les entends déjà gueuler là. Donc, ça sera nickel. Donc là, on va quand même faire un peu de gameplay, même si bon, c'était déjà mal barré. J'étais enfermé dans mon grenier. Là, j'ai peur d'être. J'ai peur d'appuyer sur entrée là en fait. Qu'est-ce que je fais? C'est parti, allez, 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 on sort les doigts du cul et c'est parti! Je ne bouge pas. Je ne fais pas de bruit. Ils sont juste en dessous. Ils sont juste en dessous. Putain, ça m'énerve, je sais pas si ça vous le fait, mais moi à chaque fois que je me cache ou quelque chose, ça me donne envie de pisser, ça m'énerve. Ah. Merde, attends, j'ai pas mis mon clavier en QWERTY. Hop. Ils sont encore en train de taper là. Easy. Oh putain. Je suis sûr que la baraque est déjà en ruine, c'est ça le truc. En bas là c'est. Eh, j'espère que vous allez voir quelque chose parce que j'ai pas trouvé d'option de luminosité. Oh mon dieu. J'ai pas trouvé d'option de luminosité en fait. Sur le jeu, donc là pour l'instant, point de vue luminosité, ça pue du cul. Bon, le soleil va se lever, donc ça va pouvoir permettre d'y voir un peu plus clair. Là, sinon, je vois pas trop ce que je. Est-ce que je peux pas avec du papier hein. Je crois pas. Hein. Je peux pas avec du papier. Est-ce que je peux pas faire un feu? Est-ce que je peux pas faire un. Le cabinet là. Ouais, non. Non, 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 non. Je ne peux pas. Ah, attends, c'est quoi ça? Caractère. Oh, il y a des levels, il y a des équipements, il y a du stuff et tout. Oh putain! Truc de ouf! Le soleil se lève. Je passerai bien par dehors en fait parce que. Wow, ouais. What the fuck? Je passerai bien par dehors. Je pense que ça serait plus judicieux en fait. Que de traverser toute la baraque en sachant. J'ai plus de bouffe, j'ai plus d'eau, j'ai rien du tout quoi, ça craint. Là, à mon avis. Allez! Est-ce que ça marche mieux avec ça? Non, ça m'étonnerait. Je me suis enfermé comme un con. Eh, vous savez quoi? Fuck it. Je mets tout ce que j'ai là-dedans.
Parce que là, non, je me suis enfermé, j'arrive même pas à péter un bloc de bois, donc c'est même pas la peine, quoi. Hop, hop, boum! Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Attends, j'ai perdu mon... J'ai perdu mon stuff. Mon backpack? Non. Non. Ah non, ça va. On a encore une abeille, là. Non, ça va. Si, j'entends une abeille au loin, ça me fait chier. Alors, on est retourné en ville. Si, une abeille, il y a une abeille. Il y a une abeille... C'est quoi, ça? Ah oui, c'est mon sac à dos, d'accord. C'est là-bas qu'est mon stuff. Mais étant donné que j'ai rien perdu, c'est un sac à dos vide. Ah. Un clébard. Allez, viens, viens. Viens, enfoiré, viens. Tiens! Ok. Un bocal. Un bocal qui va me permettre de le remplir d'eau. Il y a beaucoup trop de zombies en ville, c'est un truc de dingue. Hein. Regardez, non mais... En plus, il y a une abeille, là. Je l'entends, je la vois pas, ça m'énerve. Mais ça, comment on peut... Comment on peut essayer de trouver de la nourriture? Wow, 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 ouais. Allez, 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 crève. Putain. Ah, j'ai un appel sur mon téléphone. Je peux pas faire pause, c'est chouette. Alors attendez, on se retrouve tout de suite après. Petite ellipse. A tout de suite, c'est pas si... Ouais, voilà. Re tout le monde. C'est un petit coup de fil, voilà, tout simplement. Donc, il y a la horde. Il y a la horde, il y a une abeille que j'ai toujours pas vue. Une abeille que je sais pas d'où elle est. Où elle est? Oh là, oh là 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 là. C'est pas possible. Regardez-moi ça! Truc de ouf. Truc de ouf. Est-ce qu'il résiste? Elle est où cette fucking abeille? Je la vois pas. Ça me stresse les abeilles comme ça. Alors. Ils sont sérieux? Il faut 4 balles pour crever? C'est quoi de ça? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, bon. Yeah, ils ont rien en plus. Oh là 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 là, une bonne grenade là-dedans, là. Terminé. Bon, j'ai pas... J'ai plus d'armes, du coup, parce que... Mon truc, il est bientôt... mort. J'entends les bruits de l'abeille qui se rapproche. J'aime pas ça du tout. On rentre, hop. Ok, ça a l'air assez vide. Ah, nickel, on va pouvoir se ravitailler tranquillement. Sans trop se faire repérer, si possible. Un peu de bouffe. Hop. C'était quoi ça? Du café, je crois. Ouais. Ça va être du café. Bon, on va essayer de monter à l'étage. Elle me paraît bien, cette baraque. Je sais pas pour vous, mais... Bon, on m'a dit aussi que c'était pas bon du tout de rester en ville. Ça, j'en suis conscient, mais... Là, tout de suite, je me vois pas... Je me vois pas creuser... Creuser sous terre pour faire ma petite base, quoi. Pour l'instant, c'est plutôt du pillage. Oh, chapeau! Ah, mon chapeau!
Tu es le plus beau des chapeaux. Yay. Alors ça m'a amélioré des trucs apparemment, ouais. Bon, niveau stuff, etc., j'en sais pas plus que vous. Enfin, ça, vous en savoir plus que moi. Enfin. Qu'est-ce que c'est ça? Brass Candlestick. Brass Forge Weight. Ah d'accord, c'est... ça peut servir de matière première apparemment. Oh oui, de la pâté pour chat, oui, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Short Metal Pipe. Je sais aussi que maintenant on peut crafter les armes. Tout un système de craft pour les armes. Mais ah. Du matos. Je vais pouvoir me faire des outils, c'est cool. Une casquette. One again. Bon bah je vais avoir fait le tour de cette petite bicoque. Alors on va. Ah voilà, ça c'est les maisons que j'aime bien. Ça c'est le modèle qui me plaît. La corbeille à papier qui... Ouais, car rien à foutre là. Là, il y a un nid. Qu'est-ce que c'est ça? Une poche. Un burger, nickel. Un coffre avec un livre. Ah, ok, ça, j'ai cherché. Donc, je vais crafter des... Crafting. Je vais vite me faire... Ah oui, c'est vrai, j'ai enlevé le timer pour pouvoir aller plus vite, pour éviter de perdre du temps. Sur le serveur, apparemment, le serveur que je vais rejoindre, le timer, ils l'ont toujours. Ils l'ont gardé. Ils m'ont dit que ça pouvait être très très chiant. Ils m'ont dit que ça pouvait être très très chiant, mais je pense que ouais, ça peut rajouter un certain réalisme. Un certain... Un côté un peu plus hardcore, quoi. Et je suis d'accord. Je pense que ça peut être super quand on joue à plusieurs. Le petit timer, comme ça. Le truc qui change tout. Voilà, donc j'ai un peu barricadé ici. Par contre, j'ai un peu peur avec les... Bon, il faut que je garde des blocs absolument pour boucher là-bas. Je vais... Oh, ça y est, il y en a déjà un qui est en train de taper. Donc je voulais faire quoi? Récolter des blocs pour... enfin, récolter du métal sur ces barrières-là. Ça ne fonctionne plus. Ok. Dans le cululu. Ouais, non, laisse tomber. Avant, on pouvait récolter du métal en tapant les barrières, mais je crois que c'est fini, c'est terminé. On va se faire enculer à sec. On n'aura pas de métal. Tant pis. Admirons la vue. Oh, du zombard, du zombard et du zombard. Alors ça, c'est des balles de 7,62. C'est pas ça qu'il me faut. Moi. Ah, j'ai des balles 9 mm. Okay. Avant, une balle... Enfin, c'était par chargeur. Là, genre, j'aurais trouvé 5 chargeurs. Et là, t'étais tranquille. Maintenant, c'est des balles. Ça fonctionne même plus par chargeur. Tu trouves 5 balles, t'as que 5 balles et tu fermes ta gueule. Toi. Voilà. Les 5 petites balles de merde, alors qu'il en faut 4 pour tuer un gros zombie. Ça va être chouettos. Ça va être chouettos. Alors là, il est 15h, j'aurais pu... J'aurais pu continuer ma petite quête à la ressource, mais... Je suis pas rassuré. Je fais ma petite bite, là, mais je sais bien, mais bon. Je ne suis pas rassuré du tout. Et je l'entends toujours, cette putain d'abeille, là. Où c'est qu'elle est? C'est pas possible, ça. Je l'ai pas vu une seule fois. Tu vas grimper, vite. Oh. Non, je sais pas où elle est. Je sais pas. J'avais vu aussi une ruche d'abeilles. Bon, ah, il y en a un qui m'a vu. C'est toi qui m'as vu? C'est toi qui m'as vu. C'est lui qui m'a vu. Oh merde, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, j'avais vu aussi une ruche d'abeilles. Je sais pas si ça fait partie de la nouvelle version, si, si, enfin, ou si, si, si était déjà avant. Mais ouais, il y a des ruches avec des abeilles. Quand j'ai vu ça, j'avais trouvé ça super. Avec plein d'abeilles qui spawnent, et là, on peut faire le plein de miel. Et puis, le miel, ça nourrit vachement bien.
Donc c'est un peu le... La corne d'abondance, quoi. On va péter les échelles parce que je les connais, les petits garennes, hein. Bon, normalement, ils sont censés ne pas pouvoir passer. Dans les anciennes versions, quand on faisait ça, ça marchait très bien. Les mecs, ils pouvaient pas... Ah, il y a du monde, là. Il y a du peuple! Ouais, je disais donc, les mecs, ils pouvaient pas passer les... Vous savez, les blocs de bois que j'ai mis au-dessus des escaliers. Merde! Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Je disais, les blocs que j'ai mis au-dessus des marches, dans la version précédente, ils pouvaient pas les passer. Maintenant, après, là, la nouvelle version, c'est une autre histoire. J'en ai aucune fiche privée. Ça se trouve, ils sont trop intelligents et tout. On trouve un autre passage. Ou ça se trouve, ils sont toujours cons comme des billes. Et puis voilà. Donc on va bien voir, hein. Ça sera une façon de tester l'intelligence artificielle des zombies, voir si elle a évolué. J'avoue que ce serait cool qu'elle évolue parce qu'ils étaient vraiment débiles. En même temps c'est des zombies, hein. On leur demande pas d'être intelligents, mais bon. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Ouais, je vais rejoindre un serveur avec des gens donc. Mais si parmi vous, parmi les abonnés, il y a quelqu'un qui veut faire une petite partie avec moi sur une carte comme ça, une petite carte vierge ou un mode horde ou etc., il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un message, on se fait ça, on se fait une petite partie tous les deux, et je posterai ça sur YouTube dans la playlist Azarath et les abos. Et voilà, donc si vous voulez jouer avec moi, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un petit message. Sur Facebook de préférence, c'est plus facile pour moi de le voir. Sur ma page Facebook, vous écrivez un petit commentaire, un petit post. Ouais, salut. J'aimerais bien faire une petite partie avec toi, machin. Y a aucun souci. Aucun problème. Ils en font du bruit, hein. Ah, ils font du bruit, mais... Hein, fais du bruit, mais putain. Ouais. Il y a peut-être des nouveaux... Alors, il y a peut-être des nouveaux crafts. Alors là, c'est soi-disant les... Wood, Power, Pole, Segment. Alors là, il y a des crafts... aucune idée de ce que c'est. Aucune fiche idée de ce que c'est. Paper, bon, ça on connaît. Alors là, par exemple, ouais, je peux faire une pompe... Ah non, une crosse de fusil à pompe, voilà. Je peux faire une crosse de fusil à pompe. Voilà, on peut faire des parties d'armes. Ensuite, on les craft. Je peux faire une crosse courte. Je peux faire la pompe. Enfin, voilà, quoi. Je peux faire... on peut crafter une arme avec toutes ces pièces. Et on peut aussi créer des moules pour forger ces pièces d'armes. J'ai jamais essayé encore, ça a l'air un peu compliqué, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Alors, on voit que le soleil commence à se coucher. Et j'ai toujours pas de quoi faire une putain de torche. Est-ce que je peux réduire ça en tissu? Non. Ouais, ça me fait chier, ça. Ça me fait chier. C'est quoi, ça? Bandage. Moi je veux du tissu, s'il vous plaît. J'ai pas de quoi faire une torche, hein. Lump of clay, non. Spiked club. Wooden door. Et balle. Je connais pas. J'ai pas de quoi faire une torche ou quelque chose qui fait de la lumière. Ah, torche! Torche, torche, torche. Ça veut dire que je peux la faire. Ça veut dire que je peux la faire. Avec quoi? Non, je sais... Bah... L'essence? Non, je sais pas. Apparemment, je peux la faire.
L'herbe. Oh, enfin on aura de la lumière. Enfin on aura de la fucking lumière. Ah là là. Ah, ils ont changé les effets de lumière. Des torches. Ah ouais, ça change complètement. Oh, c'est vachement bien foutu. Putain, ça rend un... Ah, ça fait un effet encore plus glauque. Parce qu'avant, on mettait les torches. Et voilà, quoi. T'avais toute la pièce d'éclairée. Une seule couleur, il n'y avait pas de nuance de flamme, etc. Là, ça n'a rien à voir, quoi. Ah si, graphiquement, quand même, ils sont... Hein? Ils ont quand même... ils ont pas chômé, hein. Ils sont quand même sortis les doigts du cul. Là, on peut voir toute la peuplade. Avec encore cette putain d'abeille qui se met à gueuler. Voilà, il est que 21 h, ça va, c'est encore doux. Quand ils vont passer minuit, attention. Attention, ils vont tout casser, les cons. Ils vont tout casser. Bon, je sais pas trop à combien de temps d'épisode on est, mais... Perso... Je m'en fous. Ouais, ça m'inspire pas trop confiance de rester aux fenêtres, hein. Mais bon. J'aime bien voir ce qu'il y a dehors. Hein, si vous avez vu l'épisode... C'est la saison 1, je crois. Épisode 5, un truc comme ça. Où le spider zombie me saute à la gueule quand je suis à la fenêtre et il grimpe à quatre pattes contre le mur et puis il me saute dessus là. Oh là là là. Depuis je les déteste là. Les climbers, les spider zombies là, putain. Ah, quand j'en vois. Saloperie. Bon bah en attendant que ça passe un peu, je vais me mettre ici. Avec une bonne vue sur les fenêtres et je vais me faire une clope. Désolé de faire ça en pleine vidéo, mais bon. Là, on peut passer le temps tranquillement. Hein. Si t'es fumeur, fais pareil. Fais-toi une clope, ou bois une bière, ou bois un café en attendant. Hein, parce que là, on attend que la nuit passe. On attend que la nuit passe, et c'est souvent très ennuyeux, mais bon. Je m'appelle pas Docteur Wu. Enfin, le docteur, tout court. Ou... Emmett Brown ou ce que vous voulez, moi je voyage pas dans le temps. Donc on va attendre comme des connards. Et puis voilà. Non, je vais bouger un peu quand même, je vais pas vous faire ça non plus. Alors. Donc hein, voilà, c'est une vidéo un peu pauvre en gameplay, mais bon, c'est aussi pour discuter un peu de la suite. De la suite, et pour vous rappeler que vous pouvez faire une petite partie avec moi, en mode Horde, ou même sur un autre jeu, hein. C'est pas forcément sur 7 Day, hein. Si vous avez envie de faire une petite partie avec moi sur un autre jeu, ou de me provoquer en duel à chevalerie, ou je sais pas, moi, n'importe quoi, vous me demandez n'importe quoi, et on se rejoint, on fait notre partie sur le jeu que vous choisissez, et let's go, quoi. On se fout sur la gueule, ou je sais pas. Ça peut être marrant de... Et je mettrai ça sur la chaîne. Alors, j'aurais bien fait des vidéos avec l'ami Killer Surprise. En ce moment, il est un peu occupé. Il n'est pas très très disponible. Je lui reparlerai au cas où. Hein. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il est un peu occupé. Alors, comment ça se passe? Ça a l'air calme, hein, la vache. Comparé à l'épisode d'avant, putain, là ça a l'air vachement calme. Bon, on les excite un peu ou quoi? Histoire de mettre un peu d'ambiance. Eh oh! Ah! Oh putain! J'avais un spider zombie là, laisse tomber. Je suis sûr d'avoir vu un spider. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû... Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. J'ai vu un spider zombie courir sur le côté de la maison, sur ce côté-là. Je l'ai vu partir de là-bas. Il
Limite, je mettrais bien des planches devant les fenêtres. Voilà. Les bonnes barricades. Alors là, il a beau péter la fenêtre, le spider. Il pourra pas passer. Wow, c'était quoi ça? Il y a des bruits chelous. Il y a un zombie qui fait un bruit de tronçonneuse ou je sais pas quoi. Mais... C'est quoi ça? C'est un grognement? Ah bah un spider zombie est mort. Tant mieux. Un casse-couille de moi. Bon, peut-être boire un coup vite fait. Manger un morceau. Miaou! Miaou! Chaud? 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 Je sais pas. Je sais pas trop ce qui est écrit dessus. Allez, la bouffe pour chaud, y'a rien de tel. Ça donne soif apparemment. On va boire un coup. Voilà. Ça, c'est un spider. Ce gueulement-là, c'est un spider. Alors. Ouais, je vais remanger un bout. Qu'est-ce que... Ouais, non. Non, non. Je vais plutôt garder. Je risque de gaspiller la nourriture à force de manger comme un gros porc. Ça tape, ça tape. Après, je pense que quand le soleil se lèvera, je pourrai partir. Mais de toute façon, je pense que je jouerai sur le serveur par la suite. Donc là, c'était juste une... c'était pas une partie sérieuse, quoi. C'était juste comme ça, tranquillou. De toute façon, on va bientôt se séparer. Il est temps. Là, je suis enfermé comme un rat en cage. Oh ça y est, oh ça y est, oh ça y est, je suis excité. Oh ça y est. Bien sûr, j'ai plus de balles. Bon, de toute façon, on s'en fout parce qu'on va s'arrêter là. Ouais, c'est marrant, tiens. Est-ce que je peux... Non. Ouais, ça sert à rien, en fait, de faire ça. Oh là là. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Ah, ça casse les cloisons, là. Ah, ça tape sec, hein. Ah, ils sont chauds patates, là. Bon. Donc, on va séparer là. Donc, je rappelle, si vous avez envie de faire une petite partie avec moi sur le jeu de votre choix, vous m'envoyez un petit message sur Facebook ou sur YouTube. Mais bon, j'ai moins de chances de le voir parce que les messages privés ne sont pas... notifiés, en fait. Ou alors, vous écrivez ça en commentaire. Y a pas de souci. En commentaire, vous me dites « Ah, salut, faites partie !» Ah, voilà. Je vous dirai si j'ai le jeu sur Steam ou pas. Et on avisera. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, malgré le manque de gameplay flagrant. Le prochain épisode, ça se fera sûrement sur le beau petit serveur... de mes amis, et on se retrouve très prochainement donc hein, pour la suite sur le serveur. Voilà, voilà. Je vous souhaite bonne journée et bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!